est formidable quand même, c'est qu'on a des explications. Un minimum de... Oui. D'accord. Voilà, donc vous avez ici le plan qui va nous permettre de voir le début de l'offertoire, le titre en lui-même et le numéro de la piste sur lequel je dois me poser ici au niveau de la vis. D'accord. Donc cran numéro 4, donc c'est le quatrième cran en partant de l'extérieur. Et ce morceau fait 4 tours de syllabes. Donc quand j'arrive à la fin du morceau, il ne faut pas que je donne un coup de manivelle. Sinon, en trop. Voilà, j'ai pas testé, mais apparemment c'est il faut pas. D'accord. Vraiment exécuté en spirale, un peu comme les 33 tours. C'est ça. Et donc chaque agrafe représente une note ou une durée de note. C'est du buis, je présume, le bois, quelque chose comme ça. C'est du peuplier. Du peuplier. Du peuplier. Ils sont marqués là. D'accord. Ici, là-bas, ici, là-bas. Oui, il nous manque ces deux-là qui formaient une messe complète. Et puis on va avoir le numéro 9 qui nous manque, ils sont pour le 9 qui est une ouverture de Bagdad, ça peut être le prêtre en exercice, voilà, le latin, ça passe, il y a 16 chants sur celui-ci. Ah ouais. Voilà. Et donc là pour le commencement, il faut que je le mette sur la dernière vis, et après je vous montrerai le deuxième kyrie, pourquoi il faut vraiment avoir un tel rythme au niveau du fait de tourner la manivelle. D'accord. C'est à l'oreille en général. Ah oui, je présume. Oui, ah oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est sûr. Voilà, et là je vais vous montrer, je vais accélérer, puis après je vais ralentir.